Étienne Symphorien Kalala Banandaï, TV du peuple RD Congo. Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Bandeko Bayimboka Botena Binobanso. Wanogwa penzi wananchi wote na wasalimia nyinyi wote. Bana betu basuiwe moyo wenu bonsoir. Bampangi ya Mundu ya Luzolo, bampangi ya Vincent, mbote na benu yonso. Ana lengo, moyanyo, che. C'est Kitty Chilombo. Mon président Chilombo. Raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo. Raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo. Raisi wetu ni number one. Félix Chilombo. Number one. Najivunia raisi wetu, najitapia raisi wetu. Utawala wake waleta furaha. Watoto wamesoma bure, wazazi wamepata furaha. Kwa malipo ya masomo kwa bure. Uishi milele, utawale milele. Tukupenda. Mwana ya Kongo na sepeli komona prezida na ngai Kisekedi yo na vile na biso ya mboka oyo ya Kongo Bukavu to sepeli mingi komona ye yango yo ngai na kobetale maboko maboko yango yo ngai na koyembela ye yango yo tikana ebisa ye na motema na ngai yo oh oh. Umela prezida na ngai. Umela papa Tshisekedi, umela 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 papa nanga yo oh oh oh. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one, number one, my number one. Waheshimiwa, karibu kwetu, kwetu Bukavu. Wa baba wa mama wa kaka wa dada tunawapenda tunawajali tunasema karibu karibu Bukavu ni mji mzuri tunawakaribisha kuna hewa nzuri na watu wazuri karibu kwetu Bukavu mon président Chilombo rais wetu ni number one. Tshisekedi Chilombo, raisi wetu ni number one. Mon président Chilombo, raisi wetu ni number one. Félix Chilombo, number one, number one. Dunia mulio we kilo kilo kwa sababu number one, number one, my number one. Songa mbele, raisi wetu wewe ni number one, number one, my number one. Ibanda kadutu bagira tuseme nani number one, number one, my number one. Mwenga Shabunda Fizi Uvira sote tuseme chers compatriotes concernant l'attaque de Lubumbashi voici le communiqué officiel émanant du gouvernorat à Lubumbashi, donc chef-lieu du Haut-Katanga. Voilà, Boyoka communiqué officiel. Il y a attaque, il y a Lubumbashi. Voilà, la vérité toute nue, elle est là. Regardez. Communiqué officiel. Ce dimanche 14 février 2021. Vers 6 heures, la ville de Lubumbashi a été l'objet d'attaques simultanées, principalement le camp militaire Kimbembe et le dépôt avancé de Kibati. En ce qui concerne le camp militaire de Kimbembe, une trentaine d'assaillants a ouvert le feu sur les militaires de faction au poste de santé et à la tribune des parades. Alerté, le commandant du 13e régiment garde républicaine avec ses hommes ont réussi à neutraliser quatre assaillants en ont capturé un.
Après fouilles à chaud, 4 armes ont été récupérées entre les mains des assaillants, dont 2 PKM et 2 AK-47. Un appareil photo, des téléphones et quelques amulettes. Le reste des assaillants se sont repliés en débandade vers Kintsevere et ses environs, où les forces de défense sont à leur poursuite. En ce qui concerne les dépôts avancés de Kibati, une cinquantaine d'assaillants, habillés en t-shirts, bandelettes rouges à la tête, a pénétré ces installations au quartier industriel où vivent les familles des militaires du bataillon défense de la 22e région militaire. Le commandant bataillon alerté et avec ses troupes ont riposté, réussissant à neutraliser 3 assaillants et en en capturant 4, détenteurs d'armes individuelles et collectives. En résumé, le bilan se présente de la manière suivante. Côté assaillant, 5 capturés, 7 neutralisés, 4 armes récupérées, dont 2 PKM et 2 AK-47. Côté force loyaliste, 3 militaires tués, un enfant de sexe féminin, fille d'un militaire âgé de 10 ans, a été tué, et 4 épouses militaires blessées. À l'heure qu'il est, la situation est totalement sous contrôle. Les corps des décédés sont gardés à la morgue et les blessés internés dans un centre hospitalier. Nous félicitons les FARDC, la police et les services de sécurité pour leur promptitude et professionnalisme qui ont permis à rétablir l'ordre public en temps record. Nous félicitons également la population et l'invitons à dénoncer auprès des services compétents toute personne ou tout mouvement suspect. Par ailleurs, le Conseil de sécurité, réuni sous la présidence de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de province, a demandé aux services de sécurité de maintenir la vigilance pour barrer la route aux ennemis de la paix. Je vous remercie.